de Confination. Donc, grâce au Shiurim de Midrashat Yehuda et de tous les autres qui sont transmis aujourd'hui, c'est-à-dire pendant toute cette semaine, ça nous permet de remplir nos batteries aussi pour Shavuot. Alors, qu'est-ce que veut dire ce verset? Tout d'abord, ce verset a été amené par Rashi. Tout à l'heure, on ouvrira le texte. C'est uniquement pour permettre de commencer par un enseignement oral, on pourrait dire, maintenant. Et après ça, on ouvrira le Daf Mekorot. J'espère comment il s'appelle, que Malachi est là, ou bien pour être sûr que je peux ouvrir, apparemment oui. Et cet enseignement, il est amené dans le Rashi sur Zachor Veshamo. Zachor et Yom HaShabbat Lekadesho dans les 10 commandements. Et en fait, aujourd'hui, on va approfondir un enseignement sur les 10 paroles. Je vais reprendre cette traduction habituelle, Aseret HaDibrot, les 10 paroles et non pas les 10 commandements, vous savez pourquoi. Et dessus, donc, le Rashi sur Zachor et Yom HaShabbat Lekadesho, c'est-à-dire souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, nous rappelle que dans les premières tables de la loi, ou les tables de l'Alliance, c'est-à-dire aussi faire attention, c'est les 10 paroles qui sont gravées sur les tables de l'Alliance. Si tu traduis mal, alors c'est grave. C'est mal gravé et c'est embêtant. Donc, dans les tables de l'Alliance, les premières, il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat, et dans les deuxièmes qui sont marquées dans le livre du Deutéronome, dans Devarim, il y a marqué Shamor et Yom HaShabbat Lekadesho. Et nos sages nous ont dit que ce n'est pas une erreur de version, c'est que quand Akadosh Baruch Hu a transmis les 10 paroles, il n'a ni dit Zachor, il n'a ni dit Shamor, il a dit Shvut, c'est-à-dire il a dit en même temps Zachor, Veshamor, Vedibur, Echad, Nemru, c'est-à-dire il a dit les deux mots en même temps. Et à ce moment-là, Rashi nous dit, à propos de ça, Achat, Diber, Elohim, Shtaim, Zoshamati, c'est-à-dire Dieu a dit une chose et nous, on a réussi à en entendre deux. Et c'est le thème d'aujourd'hui qui va aller bien au-delà, parce que je ne vais même pas expliquer cet enseignement à propos du Shabbat de Zachor Veshamor, mais de manière générale sur la révélation de Hakadosh Baruch Hu au Mont Sinaï, en expliquant pourquoi toute la révélation va être sous le signe d'une parole unique qui va se scinder en deux dès qu'elle va arriver chez nous. C'est-à-dire que Achad Iber Elohim, Dieu dit une chose, Shtaim Zushamati, Dieu, celle-là, j'ai entendu. C'est-à-dire que nous avons entendu, vous avez compris. C'est-à-dire dans la parole de Hachem, il y avait une parole, mais chez nous, on l'a entendu avec les deux oreilles. Shtaim Zoshamati, comme on a deux oreilles, donc on était obligé de l'entendre en deux. D'ailleurs, la preuve, ce n'est pas une preuve, mais c'est intéressant qu'aujourd'hui, on sait que pour avoir une audition parfaite d'une musique ou de n'importe quoi, il faut justement entendre avec les deux oreilles. C'est ce qu'on appelle la stéréophonie. Vous savez, stéréophonie. Alors en fait, vous croyez que le mot stéréophonie, c'est un mot en latin ou en grec, c'est un mot qui parle de Mahamad Arsinaï. Parce que sté, ça veut dire jeté, c'est deux. Réo, c'est qu'on a vu, phonie, les voix. Raou et Takolot, vous vous souvenez qu'on a vu les voix, mais on les a vues en deux. Achadiber Elohim, Shtaim Zoshamati, donc c'est ça, la stéréophonie. Franck, je vois que ça te fait rigoler, tu as bien raison. Même Seder, c'est comme ça qu'on étudie la Torah. Donc, vous avez compris, on a entendu la parole unique de Hakadosh Baruch Hu, mais nous, on l'a entendu. Vous pouvez répéter pour phonie, le dernier. C'est que phonie, c'est l'entendre. Là, j'ai pas trouvé de mot en hébreu. Mais stéréo, on dit stéréo, c'est jeté, raou. Shtaim, raou et takolot. C'est-à-dire, c'était ça l'explication. À mon avis, c'est tout ce que vous allez vous souvenir de tout le chiot. Après, on va vous demander qu'est-ce qu'il a dit. Ah, il a dit stéréophonie, le reste, on verra. Mais en tout cas, pour continuer maintenant dans un enseignement un tout petit peu plus sérieux des choses, il faut comprendre cette idée de manière générale. Alors, cette idée de manière générale, c'est comme ça. C'est que la parole, excusez-moi, je veux juste mettre mon téléphone sur silencieux, parce que j'ai oublié de le faire. Donc, voilà. Donc, la parole de Hachem, c'est la parole de Hachem lui-même. Et c'est ça l'exceptionnel de la révélation au Mont Sinaï. C'est-à-dire que quand on était au Mont Sinaï, on a entendu la parole de Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire que cette parole était en elle-même, elle sortait
de la bouche, entre guillemets, de Hakadosh Baruch Hu. Donc, puisqu'elle sortait de la bouche de Hachem, elle était une au moment où elle sortait. Vous comprenez ? C'est-à-dire, elle avait cette essence d'une, et quand elle descend dans le monde, à ce moment-là, elle se scinde en deux, parce qu'on est ici dans le monde de la dualité, vous le savez. C'est pour ça que le monde a été créé avec un bête. C'est-à-dire, il faut toujours avoir un pense-bête et, quand on parle de la réalité de la création. Et à ce moment-là, donc, qu'est-ce qu'on a ? On a une parole unique de Hakadosh Baruch Hu qui se scinde en deux à partir du moment où elle arrive dans le monde. Et c'est ça qu'on va voir dans l'étude du texte des 10 commandements aujourd'hui. On va voir qu'à chaque stade de développement de la parole de Hachem, il y a une nouvelle subdivision. C'est un petit peu comme, vous savez, quand on met un petit caillou dans une mare, dans de l'eau, et où il y a des galimes, il y a des ronds qui sortent, etc., et qui se font, et d'autres, etc. Donc, c'est exactement comme ça. On va voir qu'il y a une première subdivision, une deuxième subdivision, des développements de la parole, mais qui proviennent de l'unité de Hakadosh Baruch Hu. Et c'est ça, cet enseignement de Achat Diber Elohim, Shtaim Zoshamati. Pourquoi est-ce que c'est tellement important ? C'est tellement important parce que, en fait, on a entendu en stéréo que c'était une parole unique. Vous comprenez ? C'est-à-dire que la différence, parce qu'on pourrait se demander, à partir du moment, je pose une question théorique, à partir du moment où il y a brisure de cette unité, puisque Shtaim Zoshamati, puisque lorsque moi je l'entends, ça devient deux, alors c'est-à-dire qu'on est redescendu dans le monde de la création, le monde de la dualité de la création, de la créature, et à ce moment-là, on a perdu la voie de l'unité. Eh bien, c'est ça que nos sages nous enseignent, que non, que cette voie unique qui était au début a été entendue en double, parce qu'on ne peut pas entendre autrement, parce que l'homme ne peut pas entendre autrement que dans le monde de la créature, donc dans le monde créé, c'est-à-dire le monde de cette dualité, mais il a entendu stéréophoniquement, justement, c'est-à-dire il a entendu l'unité de la parole qui était auparavant. Et c'est ça la différence entre ça et la voix des voix qui sortent de la création. Quand on est dans une parole, non pas de Dieu, mais une parole ici, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a un microphone, je ne sais pas qui c'est, peut-être que c'est Gabriel Elbaz, apparemment c'est oui. Donc, Malachi, il faut que tu fermes son micro. Donc, moi, je ne peux pas lui fermer. Peut-être que je ne sais pas comment c'est ça. Johan. Top. Alors, on continue, ils n'entendent pas. Alors, vous avez compris cette idée. C'est-à-dire que, ce qu'on va essayer de développer, c'est le fait qu'on va entendre dans notre monde la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est unique. Alors que quand on entend la parole du monde, quand on entend la parole exprimée par des gens d'ici, par les gens dans le monde, on entend une parole qui est déjà duelle en elle-même, c'est-à-dire qui contient en elle-même dans cette chose, c'est-à-dire on ne va pas forcément réussir à reconnaître l'unité divine de Hakadosh Baruch Hu quand on va l'entendre. Alors que dans cette parole-là, qui était celle des 10 commandements, elle transcende excusez-moi, je vous la porte parce que j'ai trop chaud. Cette parole-là, donc, elle transcende le monde d'ici et elle nous fait reconnaître ce qui était au-dessus. Alors, pour continuer dans cette introduction, je pense que cette chose-là, elle était perçue en deux dimensions. La première, c'est le fait que cette parole unique descend en deux. Et ça, je dirais au niveau d'une forme, c'est comme la forme d'un triangle avec un, je sais pas comment dire en français, code echad, c'est-à-dire avec le spitz. Un sommet, Todaraba, un sommet vers le haut et avec deux bases, avec la base qui se trouve en bas. C'est-à-dire, vous comprenez, Achad Diber Elohim en haut, Shtaim Zo Shamati, c'est les deux paroles qui sont en bas. Alors ça, c'est la première lecture du verset qui veut donc nous dire que nous avons entendu en deux ce que Hachem a dit en un. Maintenant, il y a un deuxième stade qui n'est pas moins important, c'est qu'à partir de cela, nous sommes capables de réaliser en bas l'unité de ces deux valeurs qui ont été entendues. Alors ça, c'est lié avec ce dont on a parlé souvent et dans le cours d'hier et tout. C'est-à-dire que il y a
une possibilité de voir le triangle dans l'autre sens. C'est-à-dire, Shtaim, Zoshamati, j'ai entendu deux choses, et ces deux choses, je suis capable de les unifier parce que j'ai entendu que l'origine de ces deux paroles, c'était l'unité de Dieu. Vous comprenez ? C'est-à-dire que la force du peuple juif, c'est de permettre de révéler l'unité des dualités ou des oppositions qui se trouvent ici dans le monde, et donc de faire descendre plus bas un principe unificateur à partir du moment où nous savons qu'à l'origine, il y avait une parole unique de Dieu. Alors ça, c'est un triangle qui est dans l'autre sens, c'est-à-dire Shtaim Zoshamati, et qui arrive vers le bas, avec, comment t'appelles, dit code, vers le sommet en bas, un sommet qui se trouve vers le bas, horizon, et vers le bas. Alors vous avez compris que si on fait la somme des deux, on arrive. Ah, décidément, il y a encore quelqu'un qui est là. Ah bah oui. Alors c'est Mac Booker qui est en train de, qui n'a pas fermé. Ah, Yofi, Seder. Donc, Todaraba le Miché Sagar. Vous avez compris. Alors ça, c'est la fin. Rabbi Kerman, oui. On va fermer les micros, tout le monde. Je suis désolé, il y a trop de gens qui ouvrent et qui ferment, ok? Mais Seder, mais nous, souvenez-vous pour, que... C'est, pour oui, interagir, mais... chers amis, c'est par chat, comme dans d'autres cours. Ah là là. Exera Kasha. Seder. Disons que peut-être que, ok, sinon peut-être tu permets, s'il y a des gens qui veulent vraiment intervenir, ils ont qu'à lever la main et à ce moment-là Johan, on te demandera de l'ouvrir. Alors donc on continue pour l'instant, j'espère que ça va bien se passer comme ça. Vous avez compris que la superposition des deux, c'est notre Magen David que nous connaissons. Alors vous savez que le Magen David, c'est une forme juive qui a des origines obscures, mais en tout cas ça ne change rien, d'où que ça vienne. C'est sûr que ça représente une idée essentielle chez nous, c'est-à-dire c'est cette, en même temps ce triangle qui a une source unique vers le haut et ce triangle qui a deux sources vers le haut et ensuite une conclusion vers le bas. Si on fait les deux ensemble dans l'harmonie, à ce moment-là, on trouve la forme du Magen David. J'en ai déjà parlé une fois ou plusieurs fois, que ça correspond aussi à des formes des sphirot de la Kabbalah, puisque quand on dit Keter, Chochma et Bina, alors on est dans un triangle avec un sommet vers le haut, et quand on parle de Chochma Bina Vadat, on est dans un triangle avec le sommet vers le bas. Et si on met les deux ensemble, à ce moment-là, on a le Magen David. Où est-ce que c'est marqué dans le Passouk? Et après ça, on va commencer à voir les sources. C'est marqué dans le Passouk. Alors vous me direz peut-être que quelqu'un sait où c'est marqué. Ah, vous n'avez plus le droit de parler, c'est dommage. Alors en tout cas, c'est marqué comme ça, parce qu'il y a marqué Achat Diber Elohim, Shtaim Zo Shamati. Or le mot Zo, c'est pas un endroit où on trouve des animaux, c'est-à-dire le zoo dans le Lashon HaKodesh, pas Z-O-O, donc vous avez bien compris, le zoo, Shtaim Zo Shamati, ça veut dire, c'est zoo, c'est toujours quelque chose, quand on voit Z ou zoo, c'est quelque chose qu'on peut montrer du doigt. C'est pour ça que quand il y a marqué dans la Shirat Hayam, Z Eli Vean Veu, Elohi Avi Varomemenu, nous sages nous disent Z Eli Vean Veu, que même une servante a pu montrer du doigt la révélation de Hakadosh Baruch Hu. Parce que le mot « zé » ou le mot « zo », ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut voir. Alors, vous avez compris, « shtaim »,« zo », »,« shamati ». C'est-à-dire que dans ces deux-là, on peut montrer du doigt quoi ? Qu'on a entendu la parole unique de Dieu. Donc, ce « zo », c'est le faire descendre jusque en bas. C'est ça que ça veut dire. Donc, il y a marqué « achad diber elokim », Dieu a parlé une parole, Shtaim Shamati, Aval Shtaim Zo Shamati, c'est que nous sommes les porte-paroles de HaKadosh Baruch Hu qui permettent de descendre jusqu'au plus bas la possibilité de réunification de ces deux valeurs qui sont différentes. S'il n'y a pas de questions, Johan, tu peux ouvrir deux minutes, peut-être si quelqu'un a une question, sinon on continuera. Johan le chômeur, alors on continue. Seder. Alors donc, quelqu'un... Tout le monde peut parler. Allez-y, quelqu'un veut me demander quelque chose? À Pessah, on dit Matzah, Azo, Marozé. Il a fait Maudi Houda, Nachon. Et je crois que c'est Tania qui a envoyé par chat Vezot à Torah. C'est la même chose. Quand on monte la Torah avec le doigt, on dit Vezot à Torah, cher Saint Moshe. Et Yehuda, vous avez tout à fait raison. C'est que Matzah Zo, on doit le. C'est pour ça qu'on soulève et qu'on la montre. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est exactement ça. Donc, Shtaim Zo Shamati, c'est que c'est une parole qu'on a pu montrer. Alors, maintenant, puisque c'est comme ça, si vous avez, on va continuer en amenant les références. C'est-à-dire, j'imagine que les gens le voient.
Vous voyez pas la source que j'ai amenée là maintenant? Non? Oui, ça y est. Oui, ah, ça a pris du temps. On voit. C'est-à-dire, c'est comme chaque bonne chose, ça prend le temps de la cuire. Ok. Mais ça a l'air. Alors donc, vous avez maintenant, donc vous avez le texte, et on va voir que notre étude va être tout d'abord concentrée sur le premier passouk des 10 commandements, des 10 paroles. Anochi, Adonai Elohecha, Asher Otseticha Me'eretz Mitzrayim, Mibet Avadim. Je traduis bien que j'imagine que tous les gens ici, Kulanu Hachamim, connaissent. Je suis Hachem Elokecha, Hachem ton Dieu, Asher Otseticha, qui t'est sorti Me'eretz Mitzrayim, de la terre d'Égypte, Mibet Avadim, de la maison d'esclavage. Alors bien entendu, on va aussi après passer aux autres paroles, des 10 paroles d'Akadosh Baruch Hu, mais puisqu'on veut découvrir Achad Diber Elohim, vous comprenez, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir que ce qu'on va entendre, c'est une parole, c'est quelque chose qu'on peut lire, qui fait partie de notre monde, mais puisque c'est la parole de Hachem, puisque c'est la seule fois dans l'histoire où Akadosh Baruch Hu nous a parlé directement, et on était tous là-bas, comme nous disent nos sages, on a tous entendu, que ce soit des juifs de mères juives ou des juifs qui ont fait un guiour, tout le monde, toutes les neshamot étaient au moment du Mahamad Har Sinai étaient au pied du Har Sinai, et on a tous entendu quand Akadosh Baruch Hu nous a parlé. Alors on va tout d'abord lire dans la première référence, c'est celle qu'on a dit et qu'on a étudiée, c'est Zachor. C'est le Rashi qui dit Zachor, Zachor veshamor bedibur echad neemru, ou sheneemar achad diber elokim shtaim zo shamati. Vous voyez, c'est en bleu ici. C'est-à-dire, c'est ça qui est dit, et j'ai sauté parce que Rashi amène d'autres exemples, il amène 3 ou 4 exemples, en disant que c'est ça qui est marqué, achad diber elokim, Akadosh Baruch Hu a parlé une parole, shtaim zo shamati, et 2 zo, comme on a dit, shamati, j'ai entendu. Alors, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe de cette manière. C'est que Akadosh Baruch Hu, dans ce pasouk, il s'est présenté à nous de son être lui-même. Ça, c'est quelque chose qui est toujours extrêmement impressionnant à mes yeux ou à mes oreilles. C'est que Akadosh Baruch Hu dit Anochi. C'est-à-dire que quand il se présente à nous, il dit Ani. Encore plus que ça, Anochi, je suis. C'est-à-dire qu'il vient et il dit, il toque à la porte et il dit c'est moi, coucou, je suis là. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça a l'air, qu'est-ce que ça, on pourrait dire même, souvent, il y a un risque de s'exposer. Aujourd'hui, les gens savent que s'exposer au regard des autres, ce n'est pas toujours quelque chose d'évident. Alors réfléchissez, est-ce que pour Akadosh Baruch Hu, c'est tellement évident de s'exposer au regard de l'être humain, au regard du peuple juif et du monde entier? Imaginez-vous que tous les itonaïm, tous les, comment on appelle ça? Zut, j'ai oublié en français, je perds mon français. Tous les journalistes du monde étaient là pour le briefing, pour l'interviewer. Imaginez-vous les critiques possibles auxquelles s'expose Akadosh Baruch Hu lorsqu'il se présente comme ça en disant Anochi. Eh bien, malgré tout, Akadosh Baruch Hu a dit Anochi, c'est-à-dire qu'il a commencé, il a commencé la parole des 10 commandements par se présenter lui-même. Et de manière extraordinaire, la première chose, c'est que sa manière de se présenter était, comme vous le savez, avec un Aleph. Le Aleph, je l'ai marqué en entier dans la source 3, mais en fait, c'est le Aleph de Anochi. C'est la première lettre. Donc, Akadosh Baruch Hu se présente en disant « je », mais ce « je », c'est-à-dire « moi », la première lettre, c'est-à-dire le premier « g » du « je », c'est-à-dire la première exposition de Akadosh Baruch Hu, c'est la première lettre, c'est même avant la première lettre, c'est ce qu'on va voir maintenant dans le Sfat Emet, mais c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, tout d'un coup, se présente dans son unité qui va commencer à se décomposer, pas décomposer, mais se multiplier. Et c'est logique, le Aleph lui-même, en tant que valeur numérique de 1, c'est le Achat Diber Elohim. Vous comprenez? C'est-à-dire le fait que Akadosh Baruch Hu s'est présenté dans ce Aleph, c'est que lui-même a dit, sache que ce que je suis en train, mon être, c'est l'être de l'unité, et c'est pour ça que ça commence par la lettre Aleph, qui est celle, la première lettre, qui a la valeur numérique de 1. Alors regardez ce que nous enseigne le Sfat Emet de Gour. J'ai signalé, si vous voulez retrouver, c'est dans le livre de Bamidbar, Shnat Tavresh Samer Gimel,
Nun Samer Ayin Pei, ça veut dire c'était il y a 117 ans en 1903. Donc c'est l'enseignement du Sfat Emet à Gour, en Pologne, en 1903. Il dit comme ça. Ita. Ita, ça veut dire il y a. Aolam Nivra Bebet Bereshit. Que le monde a été créé avec un bet de Bereshit. Vous voyez qu'il reprend exactement le même thème, c'est-à-dire que le monde a été créé avec un bet et que la parole de Dieu s'est révélée avec un aleph. Alors regardons ce qu'il nous dit. Ma bet stuma mikol tzad ou patuach. Ma bet stuma mikol tzad ou patuach mitzad echad, kach lo te'arer, ma lemala, ma lemata, ma lefanim, ma leachor. C'est un enseignement que nos sages nous disent sur la lettre du bet. C'est que la lettre bête, elle est complètement fermée de tous les côtés. Elle n'est ouverte que d'un côté. Elle est ouverte que du côté gauche, c'est-à-dire dans la direction de l'avancement du temps. Parce que vous savez qu'en France, quand on dessine un graphe et qu'on dessine en bas la ligne du temps, on la dessine de gauche à droite. Pour quelle raison ? C'est parce qu'on écrit de gauche à droite. Mais comme en Lashon HaKodesh, on écrit de droite à gauche, si on veut faire un graphe X, Y, c'est-à-dire où T et X, à ce moment-là, on doit normalement la dessiner dans l'autre sens, c'est-à-dire de droite à gauche. Et c'est ce qui se passe avec ce bête-là. C'est-à-dire que le bête, il est fermé en haut, il est fermé à droite, il est fermé en bas. Et nos sages nous disent, et il est uniquement ouvert sur le côté gauche, car l'ote arer malemala malefanim ve malemata. Ça nous indique que tu n'as pas le droit de poser de questions sur ce qui s'est passé avant la création, ce qui est le fanim auparavant, c'est-à-dire ce qui est avant le bête, puisque le bête, donc il est hermétique au niveau de ce qui était avant le temps de la création, puisque l'axe du temps va de droite à gauche, cette ligne verticale du bête au milieu, c'est celle qui nous indique qu'on ne peut pas savoir, c'est pas qu'on ne peut pas savoir, tu n'as pas le droit de poser de questions sur ce qui était auparavant. Vous comprenez, c'est comme si sur l'axe du temps, à l'endroit zéro, le moment de la création, on avait un mur hermétique qui nous dit, tu n'as pas le droit de réfléchir à ce qui était auparavant. La vérité, c'est que dans l'enseignement des Mekoubalim, on dit que le bête, il a quand même une toute petite queue qui sort en bas sur la droite, pour nous dire c'est vrai que tu n'as pas le droit de regarder, mais regarde quand même, puisqu'il y a un petit spitz, comme on dit en yiddish, qui est par derrière pour nous indiquer qu'il y a quelque chose avant. C'est pas parce que tu n'as pas le droit de réfléchir à ça qu'il n'y a rien avant, c'est-à-dire que le monde a été créé ex nihilo, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout auparavant. Bien entendu que non, il y a le créateur qui se trouve derrière. Et de même, il est fermé en haut, fermé en bas, parce que tu ne dois pas te poser de questions sur ce qui est au-dessus et ce qui est au-dessous. Et d'ailleurs, vous remarquez que de manière générale, l'axe du temps est exactement comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir du temps et on ne peut pas reculer dans le temps. C'est-à-dire que notre vie est linéaire d'un temps précis et elle avance toujours de ce côté-là. Donc, elle est exactement comme ce bête, chez l'autre, arer, mal et mala, mal et fanim, mal et lemata. Imken, je continue dans le Sfat Emet, hein. Imken a Torah sheitrila be'alef anochi, ve'echad patuach le kol adalek tzavot ou le mala ou le mata. Ken. Alors il dit, attends, mais c'est bizarre, le Sfat Emet. Il dit, c'est vraiment très bizarre. Tu me dis qu'on n'a pas le droit. Alors qu'est-ce qui se passe avec la Torah de Anochi? C'est une autre Torah. La Torah qui a été révélée au Mont Sinaï, c'est la vraie Torah, celle qui était du moment de la révélation. Et le Halev du Anochi, il est ouvert de tous les côtés. Des quatre côtés, patouach, le kol, adalek tzavot, ou le mala ou le mata. C'est-à-dire, il est ouvert à droite, il est ouvert à gauche, il est ouvert en haut, il est ouvert en bas. Même plus qu'il est ouvert. Il est en fin de compte un X, c'est comme si on avait quatre flèches qui nous disaient regarde à droite, regarde à gauche, regarde en bas et regarde en haut. Vous comprenez ? Donc, c'est quelque chose qui est bizarre. Pourquoi est-ce que le bête nous a interdit de réfléchir et pourquoi est-ce que l'aleph, au contraire, il nous invite à regarder de tous les côtés ? Alors, nous répond le Sfat Emet, en effet, le fiche à Torah kadma la olam, parce que la Torah a précédé le monde. C'est-à-dire que la Torah a commencé, en fin de compte, non pas par le Bet de Bereshit, après le Sfat Emet, la Torah, elle commence verticalement, on pourrait dire, par les Aleph de la Révélation, et comme la Torah a précédé le monde, vous savez, Torah kadma la olam, alors la Torah, elle n'est pas confinée dans une maison, bait, qui serait fermée de trois côtés, est ouvert uniquement d'un côté. La Torah, elle est complètement libre, elle est complètement ouverte, elle nous invite en fin de compte à regarder de tous les côtés. Ve'al yedei haTorah,
Et par la Torah, les enfants d'Israël peuvent connaître le Créateur Yidbarach Shemo. Et le Sfat Emet n'a pas appelé Hachem par hasard Boré, mais c'est pas du Barat, hein, mais c'est tout à fait réel. Il a choisi son mot comme il fallait, c'est-à-dire que celui qui était un Boré, donc qui était caché derrière ces trois mechitzot, ces trois séparations qui nous donnent en fin de compte qu'une vision du monde où on se trouve, c'est-à-dire qu'ils nous empêchent de voir ce qui est au-delà, au-delà dans l'histoire ou au-dessus ou en deçà, ou en dessous, à ce moment-là, il nous dit, si tu étudies la Torah, tu peux connaître le Boré Olam, c'est-à-dire le Créateur, donc ce qui était avant la création, Yidbarach Shemo. Que Moshe Katouv, Anochi, Hashem Elokecha, Beichud, Shelo, Aliede, Emtsayut, Maase Bereshit. Alors, comment est-ce qu'il continue? Il dit, c'est pour ça que quand Hashem s'est présenté, il a dit, Anochi, je suis Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, Beichud, ça veut dire qu'il s'adresse à nous directement, Shelo, Aliede, Emtsayut, Maase Bereshit, pas par l'intermédiaire de la création du monde. C'est-à-dire, celui qui est attaché à la Torah, il peut arriver à Hashem, en n'étant pas, en fin de compte, on pourrait dire, en n'étant pas confiné ou contraint par les limitations de l'univers, de la réalité de la création, c'est-à-dire la réalité du bête. Alors, vous voyez le chidouche extraordinaire que nous donne le Sfat Emet. C'est-à-dire, le Sfat Emet nous dit que par la parole de Hakadosh Baruch Hu au moment du Mont Sinaï, on a en fin de compte le bête, il s'est entrouvert. C'est-à-dire que ce qui est cette méritza, cette séparation qu'il y avait, elle est tombée et on peut entrevoir ce qui était auparavant, on peut entrevoir Hakadosh Baruch Hu directement sans être obligé de passer justement par le Maase Bereshit. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'étudier la physique pour pouvoir arriver à Hakadosh Baruch Hu. Velachen, l'Oktiv Asher Beraticha. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, il n'y a pas marqué, et c'est toujours la question que pose par exemple Rabbi Yehuda Lévi, pourquoi est-ce que, mais c'est pas Rabbi Yehuda Lévi, excusez-moi, c'est le roi des Khazars qui demande à Rabbi Yehuda Lévi dans le Kuzari, il demande pourquoi est-ce que dans la carte d'identité de Hakadosh Baruch Hu, Anochi, on comprend très bien, c'est moi, mais Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, mais pourquoi il n'y a pas marqué qui t'a créé ou qui a créé le monde? Pourquoi il y a marqué celui qui t'a sorti d'Égypte? Répond le Sfat Emet d'une très belle manière, qui est une manière chassidique. Vous allez voir ce qu'on appelle les chassidiches vort, c'est un vort chassidi. Rak asher otzeticha me'eretz Mitzrayim, qui t'a sorti de la terre d'Égypte, chez la Torah, car la Torah inachala bli mitzarim ugvulim. Parce que la Torah est un héritage qui est sans frontières, sans limites, et metzarim, et sans choses, metzar, c'est aussi des frontières, et ça a deux sens, frontières et oppression. Veken katuv, sha'alna la'yamim rishonim mikseh shamayim, ania kadavar agadol azé. Bon, on va sauter le passou qui l'amène, mais vous avez compris. C'est-à-dire, celui qui a lié à la Torah, il sort du bête. C'est-à-dire qu'il sort de cette espèce d'enfermement, de confination, puisque de confinement, je sais pas comment on dit, puisque mais Eretz Mitzrayim, c'est le pays de l'oppression, le pays en fin de compte des Metzarim, des Gvulot, et on sort de ça. Alors il conclut donc Imken Torah Chutz Mikol Abriya Vecholak Savot Ibechinat Emet Shekolel Rosh Toch Vesof. Ainsi donc la Torah est en dehors de toute la création et toutes les Kol Ktsavot, c'est-à-dire toutes les extrémités, elle est en dehors de Ktsavot, c'est-à-dire de, c'est une création qui a une certaine une fin, des Ktsavot, des extrémités, en dehors des extrémités, Vei Bechinat Emet, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Emet, parce que la notion de Emet, c'est celle qui a Rosh, Toch, Vesof, c'est-à-dire qui a le Rosh, le début, et ça c'est le mot Bereshit, mais il y a aussi l'intérieur, il y a aussi le Sof, c'est-à-dire qu'elle inclut tout ce qui était avant, ce qui est pendant et ce qu'il y aura après. Et c'est ça la notion du MH. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai entendu une fois de la bouche de mon maître arabe, professeur Yoshua Dufour, Shemi Arich Yamav, qui avait fait remarquer que le mot Emet, c'est la première lettre de l'alphabet, la dernière lettre de l'alphabet, et on pourrait dire la lettre Emtsaït, médiane de l'alphabet, pour nous dire que le Emet, c'est celui qui englobe tout. La Aleph, c'est le Roche. Le Tav, c'est le Sof, et le Mem, c'est le milieu, c'est le Emtsa, c'est-à-dire c'est le temps du présent, celui que nous vivons maintenant. Le Roche, c'est ce qui est avant le Bet, et le Sof, c'est ce qu'il y aura après la fin
de ce qu'on peut entrevoir dans le bête. Alors, si vous avez bien compris ce soit émet, j'espère. Si vous n'avez pas trop bien compris, alors on ouvre de nouveau les micros. Je crois que vous pouvez de toute façon les ouvrir pour pouvoir écouter les choses. C'est, ce qu'on a vu ici, c'est que je voudrais reprendre ce soit émet de cette manière-là, c'est-à-dire au-delà de tout ce qu'on a pris avec lui. Si vous regardez cette lettre de Aleph, c'est en fin de compte, c'est un point central qui se développe de tous les côtés. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut retrouver dans le Aleph de Anochi, on peut retrouver ce point central qui est le point du début de la création, le Yud, ou le Kutso Shel Yud, et qui se développe vers en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche. C'est-à-dire, bon, c'est un peu comme la forme du X, c'est-à-dire qu'il y a un développement à partir d'un point central. Alors, c'est vrai que ce n'est pas Hadiber Elohim Shtaim Soshamati, c'est-à-dire Dieu a dit une chose et j'en ai entendu deux, mais là, il en a dit une, on en a entendu quatre, si vous voulez, un petit peu pointillé. Mais en fin de compte, on pourrait dire comme ça. Malgré tout, c'est le fait que, comme il nous dit, ce Aleph est avant le bête c'est une prison, qui est celle de notre essence en tant que créature, mais ce Aleph nous a sorti de ça, nous a permis de voir comment est-ce qu'à partir de cette unité, les choses elles se développent, et elles se développent dans toutes les directions, et ça, c'est ça l'Aleph. La vérité, c'est qu'il y a encore un autre sens qui est très joli à propos de ça, quand on parle de Rosh, Toch et Sof, c'est que si vous voyez dans la forme du Aleph, il y a un Yud en haut, il y a un autre Yud en bas, il y a un Vav au milieu, ce qui fait comme valeur numérique, ce qui fait 26, c'est-à-dire la valeur du tétragramme, de Yud Kevav Kei, et donc il y a le Rosh, c'est le Yud en haut, il y a le Toch, c'est le Vav du milieu, et il y a le Sof, c'est le Vav d'en bas, le Yud qui est en bas. Alors, j'imagine que vous n'avez plus de questions, on va continuer. Regardez, on a vu donc que dans le développement des choses, Hachem s'est présenté comme une seule unité, c'est ce Aleph, la valeur 1, et que dans ce Aleph, il y a la force de développement absolue, même au-delà de ce que ce bête nous enferme. C'est ça qu'on a vu dans le Sfat Emet. Alors passons au développement de la parole. De ce Aleph va sortir un nom entier, c'est Anochi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Aleph est sorti, il s'est développé, et en effet, en quatre lettres, et Akadosh Baruch Hu apparaît avec un mot entier qui veut dire « je suis ». C'est-à-dire que c'est son être. Et son être, on a vu que c'est celui du Aleph. Alors là-dessus, je voudrais inciter un enseignement très joli de la Gemara de Maseret Shabbat, page 105, folio A, qui a étudié ce mot de Anochi qui est marqué dans les 10 commandements. Et qu'est-ce qu'il nous dit? On a trois enseignements. C'est à propos d'une valeur qui s'appelle le notarikon. Alors, c'est quoi le notarikon? Vous voyez, je l'ai souligné ici. La Gemara demande où est-ce qu'on trouve des notarikon dans la Torah. Alors, un notarikon, ce n'est pas un notaire. C'est notarikon, ça veut dire qu'un mot peut se développer en plusieurs mots différents. En français, on appelle ça souvent les initiales. C'est-à-dire SNCF, Société Nationale, c'est quoi? Des chemins de fer. C'est un initial. Mais l'initial est une des formes du notarikon, parce que ça peut être aussi une compression de plusieurs mots, comme la Gemara donne un autre exemple, Avraham, Av, Hamon, Goïm. Or, ce n'est pas exactement des initiales, c'est une compression de plusieurs mots. Et la Gemara, comme par hasard, quand elle est cherchée un mot avec lequel elle dit qu'il y a un notarikon, elle utilise le mot de Anochi. Alors j'espère que vous avez compris pourquoi. Parce que dans le Acha Diber Elokim Shtaim Zoshamati, quand Akadosh Baruch Hu dit Anochi, nous, on n'entend pas quatre lettres, on entend quatre mots. Vous comprenez? C'est-à-dire que la parole de Akadosh Baruch Hu va à une force de développement. Et cette force de développement, c'est ce qui se trouve à l'intérieur même de cette présentation que nous a fait Akadosh Baruch Hu de lui-même. Quand il dit « je suis », d'ailleurs c'est vrai aussi pour un homme, lorsque quelqu'un se présente et dit « je suis », il amène tout son être. Et comme il amène tout son être, on doit pouvoir faire un otarikon et développer ce « je », ce « anochi » ou ce « ani » et pouvoir voir tout l'être qui se trouve à l'intérieur de ça. Alors là-dessus, il y a une discussion entre trois grands chachamim, Rabbi Yochanan, Chachamim, Rabbanan, et Ika de Amré, et d'autres qui disaient autrement. Regardez comment est-ce qu'ils ont étudié ce texte, ce mot de Anochi. Rabbi Yochanan, de Tibériade, vous connaissez peut-être,
l'élève de Rabbi Yehuda Hanassé, de Rabbi Chia, qui a écrit le Talmud de Jérusalem, a interprété le mot de Anochi de cette manière-là. Je vais souligner les lettres, et si vous voulez, on va même un tout petit peu encore l'agrandir pour que ce soit encore plus facile à lire. Ana nafshi ketivat yahavit. C'est de l'araméen, mais c'est, les initiales sont Anochi. Vous voyez, Aleph Nun Kaf Yud. Et ça veut dire quoi? Ana, c'est Ani, c'est moi. Nafshi, be'atzmi, moi-même. Ktivat, j'ai écrit. Yahavit, et j'ai donné. Si vous réfléchissez, c'est ce que Rabbi Yochanan voulait nous transmettre. C'est, et ce que je vous explique, c'est selon l'enseignement du Maharal de Prague sur cet enseignement de la Gemara de Maseret Shabbat. C'est que Ana, c'est son essence lui-même. Nafshi, le fait que c'est son être le plus profond. Nafshi, c'est Atzmi en même temps en hébreu, ou bien Nafshi, c'est Nafshi. Alors vous imaginez que Kadosh Baruch Hu dit, ce que je vous donne, ce n'est pas mon extérieur. Ce que je vous donne, ce n'est pas mon apparence. Ce n'est pas ce que vous allez voir ou ce que vous allez entendre. Zani be'atzmi. C'est dans la Torah qui vous est donnée, c'est mon être à moi qui vous est transmis. C'est la chose extraordinaire. Vous comprenez? On peut dire que quand le monde a été créé, Akadosh Baruch Hu se présente habillé par la nature. Mais là, quand Akadosh Baruch Hu dit Anochi, c'est son nefesh à lui. C'est-à-dire son essence à lui qui nous est transmis à nous dans le monde. Il s'expose complètement, il donne son être tel qu'il est lui-même, et c'est ça qu'on peut retrouver dans la Torah. Alors c'est ça qui a marqué Ana, c'est Ani, qui, quoi de moi-même, c'est Nafshi, c'est mon effet, c'est-à-dire mon essence même, et qu'est-ce que j'en ai fait? Ktivat, je l'ai écrit, je l'ai mis par écrit, et c'est les 10 paroles, bien entendu, qui ont été écrites sur les tables, mais c'est aussi la Torah en entière. C'est-à-dire que quand tu étudies la Torah, tu est en train de lire les noms de HaKadosh Baruch Hu, ce que disent les kabbalistes, c'est-à-dire que toute la Torah, c'est des noms de HaKadosh Baruch Hu. Mais c'est plus que des noms, parce que les noms, c'est l'être. Le Shem, c'est l'Atzmiut, c'est-à-dire que ce qui est inscrit dans la Torah, c'est le Nefesh Elokit, c'est-à-dire c'est l'essence, c'est l'Atzmiut, c'est l'essence même, c'est la Neshama de HaKadosh Baruch Hu qui est descendue dans le texte de la Torah, et le point important, Yahavit, Yahavit en araméen, c'est « je l'ai donné », c'est-à-dire que ce n'est pas suffisant de l'écrire, il faut aussi qu'elle soit donnée, et HaKadosh Baruch Hu l'a descendue jusqu'au fait de nous la donner. Les Chachamim disent, alors vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que l'idée dans le développement que je suis en train de dire, c'est qu'à chaque stade du développement de la parole, c'est-à-dire d'abord le Aleph, ensuite le premier mot, les Chachamim ont vu comment est-ce que cette parole, elle se subdéveloppait. Elle se développe ensuite dans des valeurs, parce qu'il y a à l'intérieur de ça ce potentiel de développement. Le deuxième enseignement, donc celui des Chachamim, Rabbanan, c'est comme ça. Amira Neima Ketivat Yehiva. Alors, traduction, Amira, une parole Neima, agréable, Ketiva, j'ai écrit, Yehiva, et j'ai donné. Alors, vous remarquez, si on pouvait plus faire participer tout le monde, vous remarquez que Ketiva Yehiva, c'est la même chose que katavit, yahavit, plus ou moins. C'est-à-dire c'est les mêmes mots. Là, c'est j'ai écrit, j'ai donné. Et là, c'est écrit, c'est donné. Alors, la différence, c'est les deux premiers mots. Ici, c'est ananafshi. Et ici, c'est amira neima. On va peut-être lire complètement l'enseignement. Et ensuite, on va analyser chacun. Ika de amre, il y en a qui disent anochi le mafrea. C'est-à-dire, quand il voulait expliquer le mot de anochi, il le lisait de gauche à droite. C'est-à-dire, il le lisait à la française, depuis la fin jusqu'au début, ce qu'on appelle le mafrea, rétroactivement. C'est-à-dire que, regardez, ils lisent Yud, Kaf, Nun, Aleph, c'est-à-dire c'est le mot Anochi à l'envers. Ils commencent de la fin et ils retournent au début. Et ils traduisent comme ça, Yehiva, Ketiva, a été donné, a été écrit, Nehemanim, son fidèle, Amarea, ses paroles. Alors vous remarquez que le point commun de tous, c'est Yehiva, Ketiva. C'est-à-dire que donné et écrit, ça se retrouve dans tous. Mais dans celui-là, on a, donc dans chacun, on a sur les deux premières lettres une lecture différente. Ici, c'est les paroles de Dieu sont fidèles. Fidèles dans le sens où il est fidèle à sa parole et les paroles se réalisent. C'est ça ce qu'on appelle El Melech Neiman, c'est celui qui réalise sa promesse. Alors tout d'abord, vous imaginez très bien que les Chachamim, ils ne jouaient pas Stam avec la révélation de HaKadosh Baruch Hu, la première des paroles, le premier des mots
de la première des paroles qui signifie le fait que Akadosh Baruch Hu se présente lui-même en disant « c'est moi ». Donc s'il y a trois enseignements différents, chacun doit avoir une signification profonde et véritable de ça. Alors les Chachamim, bien entendu, tous les commentateurs se demandent pourquoi est-ce que le troisième s'est lu à l'envers, ça devait être un Belge, Ika de Amré, c'est pour ça qu'il lit les choses à l'envers. Et donc, il faut bien comprendre. Alors le Maharal nous dit qu'il y a, et c'est un enseignement de Maïmonide, qu'il y a le Poel, la Peula et le Nifal. C'est-à-dire qu'il y a l'acteur, il y a celui qui donne, il y a celui qui reçoit, et il y a l'objet qui a été transmis de l'un à l'autre. Et nous dit donc le Maharal, Rabbi Yochanan parle de celui qui donne, de Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'il parle de Anan Nafshi, c'est-à-dire dans le Anochi, il a parlé de lui. Les Chachamim nous parlent de l'objet qui était donné, c'est-à-dire qu'est-ce que Hachem nous a donné pour nous révéler son être dans le monde, pour nous permettre d'être en connexion avec lui. Bien entendu, c'est la Torah. Et le Ika de Amré, ceux qui disent, c'est il parle dans l'autre sens, parce qu'il parle de bas en haut, c'est il parle de celui qui l'a reçu, c'est-à-dire l'homme. Vous comprenez? C'est-à-dire la Torah de Dieu, Dieu qui se présente, tel qu'il est perçu par celui qui la reçoit. Et comme c'est par celui qui la reçoit, ça se lit à l'envers. On pourrait dire, à l'endroit, c'est de haut en bas, et à l'envers, c'est de bas en haut, ou bien c'est l'homme qui remonte depuis le bas vers Akadosh Baruch Hu qui est en haut. Vous comprenez? C'est ce mouvement dans les deux sens, Akadosh Baruch Hu qui donne, et une fois qu'on le reçoit, d'ailleurs, on peut revenir au Magen David dans l'autre sens, c'est-à-dire ce Magen David qui est dans cette forme-là, du triangle avec le Shpiz d'en bas, c'est-à-dire c'est l'homme qui remonte vers Akadosh Baruch Hu dans l'autre sens, c'est pour ça que c'est lu à l'envers. Alors, le chidouche qui est dit, du coup, c'est comme ça. Amira Neima. C'est quoi Amira Neima? C'est que la Torah, c'est quelque chose qui est naïm, qui est agréable, c'est une parole qui est bonne et bonificatrice. Tout le monde le sait, c'est un des plus grands chidouchim. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il nous a donné ce qu'il était lui. Il nous a donné son être et il peut la donner de différentes manières. De manière qui impose, de manière qui disqualifie, de manière totalitaire. Et les Chachamim nous disent par affirmation que quand Hachem se présente en tant que lui-même, il évacue au contraire cette impersonnalité du bête de la création pour arriver à la personnalité, le fait qu'il est quelqu'un, comme nous disait Manitou, et c'est ce Anochi, c'est lui-même. Et donc automatiquement, la Torah du Anochi, c'est une Torah de Amira Neima, c'est une parole qui est agréable. Tovli Torah de Picha, mi alfe zahava chesef, derachea dache noam, vechol netivote shalom, c'est-à-dire toutes les voix, la Torah sont dache noam, des voix de noam, des voix qui sont neimim, des voix qui sont agréables, et c'est ça le fondement de la Torah, de la parole de Dieu qui a été révélée au Sinaï. Et là, on va retrouver dans l'enseignement donc, qui va dans l'autre sens, neemanim amarea. Et ça, on peut le dire, d'autres commentaires, bien entendu, expliquent autrement. Mais selon Manitou, quelle est notre manière de découvrir Akadosh Baruch Hu? C'est selon la fidélité de Hachem à sa promesse. Ne'eman, El Melech Ne'eman, ou comme on avait dit, Ani Hachem, à propos de Vaera, je suis Hachem, Ne'eman, Lekeim Avtachati, celui qui a la fidélité à la promesse et qui réalise la promesse. Alors, c'est ça qui est marqué, c'est-à-dire que par rapport à lui, c'est Ana Nafshi. Ce qui est descendu dans le texte écrit et donné de la Torah, puisqu'on est dans la Torah, et c'est ce Anochi, c'est moi-même. La manière dont c'est donné, c'est de manière agréable. Et la manière dont il est découvert par nous, c'est dans la Emouna. Et cette Emouna, c'est le même mot que Ne'emanim. La Emouna, la foi en Dieu, ce n'est pas la connaissance de Dieu, c'est la reconnaissance de Dieu. C'est-à-dire la capacité de reconnaître la fidélité de HaKadosh Baruch Hu à son projet, à sa promesse et à sa fidélité vis-à-vis du peuple juif. Alors tout ça, vous avez compris, au début on était dans le Aleph, on est passé à Anochi et on va passer au stade suivant. Hachem Elokecha. Anochi Hachem Elokecha. Et vous allez tout de suite reconnaître que automatiquement, Acha Diber Elokim, Shtaim Zoshamati. C'est-à-dire que déjà là, on voit le développement de l'essence de Dieu, qui était une au moment de Aleph, et encore une au moment de Anochi, elle devient deux au moment où il se présente dans ses noms. Parce qu'il y a le Hachem et Elohim. Alors vous le savez très bien, Hachem c'est Midata Chesed,
Je peux, Brigitte, tu peux répondre parce que ton micro est ouvert. Alors, Elohim, c'est quoi? C'est Midata Din. Midata Din, Nachon. Exactement. Donc, quand il y a marqué ici Hashem Elokecha, c'est que Akadosh Baruch Hu, qui dit Anochi, je suis un. C'est-à-dire, c'est moi dans ma totalité, dans mon nefesh, dans mon essence, mais dès que je donne un nom, il y a déjà Shtaim Zoshamati, il y a deux noms qui me définissent. C'est en même temps Hashem et en même temps Elohim. Mais Nachem, oui. Est-ce que je peux poser une question? Mais bien sûr, voilà. Surtout toi. À partir de ce que tu as dit sur le Aleph, oui. Et à partir de ce que tu as dit sur le Bet, oui. Que peut-on dire du mot Av? Ah, c'est une bonne question. J'avais entendu des explications, mais pour l'instant, je n'ai pas. Peut-être que quelqu'un d'autre a une bonne idée pour expliquer ça. Je dirais comme ça. C'est que le Av, j'avais d'ailleurs, j'ai oublié son nom de famille, mais Eliane Marek a fait une conférence il y a environ 6 mois ou 1 an où elle avait expliqué de manière très jolie Av et M, c'est-à-dire le fait que les deux commencent avec un Aleph, l'un c'est Aleph Bet et l'autre c'est Aleph Mem, mais malheureusement je ne me souviens pas de l'explication qu'elle avait amenée. Mais en tout cas, je dirais comme ça, c'est-à-dire qu'en effet, on a un triangle dans le Père, c'est-à-dire le fait que on peut retrouver Achadiber Elohim Shtaim Zoshamati même dans l'enseignement du Père, c'est-à-dire dans la présence du Père. Il est dans ce monde, d'ailleurs il y a double, il y a le Père et la Mère, mais il y a quand même une possibilité de retrouver, on pourrait dire la Shrina Benem, c'est-à-dire l'Aleph qui est derrière. Mais ceci dit, je n'ai pas en mémoire d'autres explications qui sont meilleures. Je t'invite Brigitte, si jamais tu as une meilleure idée. Mais si, Rabba. Menachem, je peux simplement apporter un petit commentaire. Oui, bien sûr, mais Simcha Maurice. Ouais. Voilà, simplement Maurice, de ce que j'ai entendu de la part du Rav Steinman. Le Aleph, donc tu as dit, c'est la dimension d'Hachem, il n'y a pas de limitation, mais le Aleph, c'est un Vav et deux Yud. Mm-hmm. Et le Yud Ke Vav Ke, il y a deux He, et les deux He donnent le deuxième Yud. C'est composé de deux Yud et d'un Vav. Il a fait Meod. Ouais, c'est Meod, il a fait. Maintenant, vous savez que Dieu, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec les lettres de la Torah. Et donc, il y a même une infinité de développement, justement, de ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire Emet. Et tout d'abord, Brigitte, pour la question, et à Maurice Moshe pour le développement. Tout d'abord. Mais vous voyez qu'il y a une infinité de possibilités, justement, de développement de cela. Alors, vous voyez que c'est simple, c'est pour ça que je n'ai même pas amené de source sur Hachem Elokecha, parce que dès qu'on sort du Anochi et que Hachem doit dire son nom, alors c'est Hachem Elokim. Mais ce n'est pas Stam, parce que c'est quand même Hachem Elokecha. Ce n'est pas marqué Hachem Elokim, c'est-à-dire d'un côté, mais c'est Elokecha. C'est celui qui, dans sa, quand on parle de Midat HaGvura, c'est-à-dire de Elokim, ce n'est pas seulement celle qui est à gauche, celle de la rigueur, c'est aussi celle qui descend dans le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire Hachem, c'est celui qui est en haut encore. Et quand il doit descendre dans le monde, alors il doit descendre dans le monde de la réalité. D'ailleurs, vous savez que Elohim, c'est la même gématria que Ateva, la nature. C'est-à-dire, c'est la descente de ce Hachem dans cette dualité. C'est de droite à gauche ou de haut en bas, c'est-à-dire quand il descend. Et là, la différence, c'est que quand le monde a été créé, c'était une présence non révélée, impersonnelle, on a parlé, donc c'était Bereshit Bara Elohim. Mais au moment du Mahamad Arsinaï, Hachem dit, moi Hachem Anochi, si je descends vers toi, je me présente à toi de manière avec une relation. C'est-à-dire, je suis Hachem ton Dieu, je ne suis pas Hachem un Dieu, mais je suis Hachem ton Dieu, c'est-à-dire qu'il s'adresse à toi personnellement. Alors, à qui il s'adresse? C'est au singulier, vous avez remarqué. Nahon, qu'est-ce que vous dites? À chacun de nous. Il a fait mode. Première explication, c'est qu'il s'adresse à chacun de nous, et c'est ce que le Midrash dit. C'est que quand les Bnei Israël ont fauté, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, et il a dit, tu sais, ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont rien compris. Ils ont cru que quand il y avait marqué Hachem Elokecha, que Akadosh Baruch Hu, il parlait que à Moshe Rabbeinu. Donc, tu n'as pas besoin, comme on a dit hier, de les amocher. Dieu, il ne me parlait qu'à moi, Elokecha. C'est-à-dire, donc... Quand il a singulier, pardon. Quoi?
quand il y a, on a appris que quand il y a un singulier, au contraire, ça s'adresse au klal, alors que quand c'est un pluriel, ça s'adresse à chaque individu. Nahon, j'attendais Toda Rabba, c'est très bien que ça vienne de vous, Magia. C'est-à-dire qu'on y a, on peut dire comme ça, on peut dire comme ça. C'est-à-dire que si ça s'adresse à chacun, c'est que quand on était au Mahamad Arsinaï, et l'okecha, c'est quand même que chacun a entendu ce qu'il pouvait entendre par sa neshama. Et donc, du coup, Moshe Rabbeinu pouvait aussi dire, c'est ça le sens de ce midrash qui va dans le sens de Tania, c'est-à-dire qui pouvait dire qu'en fait, il s'adressait que Hachem l'okecha personnellement à Moshe Rabbeinu. Mais tu as raison, Nadine, c'est ce que disait Rav Tzioudha, et ce que disait aussi Manitou, c'est-à-dire à propos de ça. Excusez-moi, mais il y a quelqu'un qui toque à la porte et je suis tout seul. Donc, je lui ouvre la porte, je reviens dans une seconde. C'est comme ça la vie, hein, quand on est en confinement. C'est-à-dire qu'il t'est sorti du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage, il s'adresse au peuple juif. Donc, c'est ça le yichud des deux, Shtaim Zoshamati, c'est-à-dire la perception de l'absolu du chesed de HaKadosh Baruch Hu, en même temps avec la perception du din, Shtaim, mais celle-là, ce n'est pas n'importe quoi, c'est celle où, quand il se révèle ici, c'est la révélation, donc la révélation s'est rentrée dans le bête, souvenez-vous, Breshit Bara Elokim, mais ce n'est pas Hachem Elokim, c'est Hachem Elokecha, celui qui s'adresse au peuple juif, ou bien à l'individu ou au peuple juif, en tant que nation, de manière globale, réelle. Alors après, on est dans le pasouk en entier. Je ne l'ai pas marqué parce que vous le connaissez. C'est « Asher otzeticha me'eretz mitzrayim ibet avadim ». On va le reprendre. Et en fin de compte, vous savez, ici, il y a « atna ». Vous voyez ce qui est marqué en bleu tout en bas. Ouais, je vois que vous regardez, c'est un petit peu petit. Mais il y a les « ta'amim ». Vous savez que s'il n'y a pas de ta'amim, la Torah, elle n'a pas de goût. Donc, il faut qu'il y ait des ta'amim. Et vous voyez ici, je vous l'indique ici, le ta'am qui est en bas, c'est une cloche à l'envers, une cloche à fromage. Et c'est ce qu'on appelle un etnarta ou bien atnar, ça dépend si on est ashkenaz ou sfarad. Et ça veut dire que c'est le milieu du pasouk. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est très important. C'est de savoir que dans un pasouk, il y a toujours... Dans pratiquement 80% des psukim de la Torah, ils sont divisés en deux. Il y a toujours la première partie. Alors, on a vu aujourd'hui, donc, premièrement, qu'ici, c'est déjà divisé. C'est-à-dire le Aleph qui était 1 et s'est découvert comme 4, ou comme l'unité du nom de Hachem, qui se développe. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, Michel Kochinski, Nalis Goroto, et donc, qui s'est subdivisé en 4. Bessader en plus, il est Hadashot. On ne vous écoute pas. Quoi? On ne vous écoute pas bien. Oui, justement, attends, parce qu'il faudrait que les responsables ferment tous les micros. Du coup. Michel Kochinski, pouvez-vous fermer votre micro? Il faut fermer les micros. Fermez tous les micros. On entend les informations. Tov, Yohan ou Malachi, fermez les micros. Ok, Bessader. D'accord. Bessader, donc on continue. Maintenant, tout va bien. Vous m'entendez, hein? Il y a donc, après ce développement, il y a les deux parties du pasouk. Anochi Hashem Elokecha, Asher Otzeticha Meretz Mitzrayim Ibet Avadim, c'est-à-dire qu'il y a deux cartes d'identité. Et là-dessus, nous disent les Chachamim quelque chose de très beau. Je vais lire le texte de Rashi à ce propos-là, qui dit comme ça: Davar Acher, le fils Nigla Bayam que Gibor Milchama, Venigla Kan Kezaken Mali Rachamim. Pourquoi est-ce que Hachem s'est présenté comme celui qui nous a sortis d'Égypte? Parce qu'il s'est révélé sur la mer comme un gibor milchama, comme un soldat, comme un héros de la guerre. Venigla kan kezaken malei rachamim. Il s'est révélé ici comme un zaken, c'est-à-dire un chacham, un sage plein de miséricorde. Sheneimar vayiru et elo Israël v'tachad raglav kemase livnat asapir zaita lefanab shat shibud ketsem hashamim la Torah mishenigelu. Je ne traduis pas du tout parce qu'on n'aura pas le temps. O il vani mishtane bemarot, puisque ma révélation change d'une fois à l'autre. Altom rouge tereshuyoten, ne dites pas qu'il y a deux reshuyot, c'est-à-dire deux divinités, chas de shalom. Anochi ou asher, otseticha, me'eretz mitzrayim v'aleiyam. Anochi, donc moi en tant qu'unité unique, c'est celui qui se révèle maintenant que tu vois malé rachamim, plein de rachamim, et qui en même temps qui t'a sorti comme un gibor milchama. Vous voyez que c'est marqué clairement que gibor milchama, c'est la gvura, c'est-à-dire
et que Zaken, Malé Rachamim, c'est Chassadim, et que donc, Akadosh Baruch Hu, de nouveau, une fois qu'il a fini la première partie du Passouk, il dit, toute cette partie du Passouk, c'est Zaken, Malé Rachamim, c'est mon essence telle que tu le vois au mont Sinaï, mais tu m'as vu aussi, au moment où, où vous êtes sorti d'Égypte, comme celui qui agit dans l'histoire, comme héros, comme soldat, dans la Gvoura pour vous sortir d'Égypte, sache que les deux parties du Passouk sont à unifier. Achad Iber Elokim, Shtaim Zo Shamati. Et vous remarquez qu'on est toujours dans le même thème que celui du 5, sauf que c'est de manière beaucoup plus développée. Je vais vous dire comment Manitou le dit dans la parole et l'écrit, premier tome à propos de ça. Il me semble que c'est écrit là-bas. Il nous dit comme ça, mais il le dit dans d'autres endroits. Il dit, quand on est sorti d'Égypte, Hachem s'est révélé comme on pourrait dire, dans son entité, dans son être politique, dans celui sioniste, on pourrait dire. Et ici, il s'est révélé comme religieux. C'est-à-dire, c'est celui qui nous donne la Torah, Azaken Malé Rachamim, c'est le sage, et surtout, ne fait pas de dichotomie entre l'identité sioniste et entre l'identité religieuse. Anochi Hashem Elokecha, le Zaken Malé Rachamim, Asher Otsetich Hameretz Mitzrayim, c'est moi qui aussi fait le 5 Iyar, Yom HaAtzmaout, c'était le même qui est aux deux, et c'était la même chose quand on est sorti d'Égypte. Donc, c'est une traduction libre de ce qu'a dit Rashi, mais vous voyez, c'est très important. Pasuk suivant, Lo Yulecha Elohim Acherim Alpanaï. C'est quoi? C'est le deuxième d'Iber. Et quand on lit dans la Torah à Shavuot, on dit les deux en un seul pasuk. C'est-à-dire que dans les Ta'amim, on lit le premier et le deuxième en un seul pasuk. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Makot nous dit « Anochi velo yelecha mipi agvura shama'anum » Comme vous savez, on n'a pas entendu les 10 paroles par Akadosh Baruch Hu, on n'en a entendu que 2. Le premier et le deuxième. « Je suis et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et pourquoi? Parce que quand on parle de « Chadiber Elohim Shtaim Zoshamati », c'est exactement comme ça. Il y a pour comprendre la définition et l'essence de l'être, il y a la définition positive de ce qu'il est, et il y a la définition, donc de manière négative, de ce qu'il n'est pas. Et c'est le lo, c'est ce qu'il n'est pas. Lo yelecha Elohim acherim alpanai, il n'y a pas d'autre Dieu à part moi, c'est le monothéisme compris de manière non pas positive de l'essence, mais négative de ce qui n'est pas. Et vous savez que l'homme a tendance plus à comprendre de manière négative que de manière positive, jusqu'au point où Kant, dans la critique de la raison pure, a dit qu'on ne peut pas arriver à la perception de l'être de manière essentielle, de manière positive, on ne peut que comprendre de manière par la définition. Eh bien, c'est exactement ce que la Torah nous raconte, c'est que Akadosh Baruch Hu s'est présenté complètement, et puisqu'il s'est présenté complètement, il s'est présenté de manière positive dans le premier pasouk Anochi Hashem Elokecha, et ensuite de manière négative dans Lo Yelecha. Et le Rambam Maïmonide dans Moré Nevouchim va plus loin. Malheureusement, on n'a pas le temps de lire et de l'étudier, mais c'est ce qu'il dit en fin de compte, donc c'est ce que j'ai expliqué maintenant. J'ai cité le texte du Moré Nevouchim dans la deuxième partie, chapitre 33. Ce qu'il dit, c'est un enseignement très très beau. Il dit que ce que les Bnei Israël ont entendu, c'est qu'une seule voix. Ils ont entendu une seule voix, et dans cette voix, ils ont entendu les deux choses. Si nos Chachamim nous disent que ces deux premières paroles sont sortis de la bouche de la Gvoura, Akadosh Baruch Hu a dit une seule chose. Mais nous, puisque dans notre manière de comprendre les choses, on ne peut les comprendre qu'en additionnant la manière positive, Anochi, l'être, et ce qu'il n'est pas négatif, lo yelecha, alors cette présentation, ce Anochi, je dirais ce Aleph, ou ce point central, a été entendu par nous, par le peuple juif, avec les deux, puisque comme vous vous souvenez, c'est les deux oreilles. Une oreille a entendu Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, et l'autre oreille a entendu Lo Yelecha Elohim Acherim Alpanai, et c'est que de cette manière que nous avons la perception possible de la globalité de l'identité de HaKadosh Baruch Hu. Lui l'a dit en une seule parole, Achad Diber Elokim, mais nous ne pouvons l'entendre que de cette manière. Alors je vais terminer donc cet enseignement, et peut-être par le...
par le fait que cette subdivision va se retrouver tout le temps. On va s'arrêter à la suivante, mais il y en a encore d'autres après. La dernière pour aujourd'hui, avant la fin du cours, c'est les Shnei Luchot Abrit. Vous avez remarqué que de même que la première parole et la deuxième, la première est positive et la deuxième est négative, eh bien regardez, à part ce Lo Yelecha en gros, toute la partie droite, c'est-à-dire tout le premier Luar, la pierre de droite des deux pierres des tables de l'Alliance, ils sont positifs. Anochi, Kaved et Amicha, Zachor et Yom HaShabbat Lekadesho, il y en a deux qui sont différentes, mais on a vu que ce Lo Yelecha Elohim Acharim fait partie d'un ensemble avec la première, alors que tout le côté gauche, celui des cinq commandements de l'autre côté, c'est celui du Lo. Lo Tirtzach, Lo Tinaf, Lo Nignov, Lo Taneberachet Shaker, Lo Tachmod. Pourquoi ? Parce que le côté droite est dans son ensemble, dans sa globalité, le côté de l'être, et le côté de gauche dans sa globalité, c'est le côté de la définition, c'est-à-dire de ce qu'il ne faut pas faire. Et de manière incroyable, c'est aussi le Ben Adam Lamakom et le Ben Adam Lachavero. Parce que le Ben Adam Lamakom, c'est la présentation de Dieu quand il nous parle, et Ben Adam Lachavero, c'est la transformation ou la traduction dans notre monde à nous de cette connaissance de Hakadosh Baruch Hu en tant qu'un, dans notre possibilité de réaliser ça dans le monde d'ici-bas. Et dans le monde d'ici-bas, on est plus dans le lot, c'est-à-dire dans les gvurot, dans les gvulot, dans les limites, que dans le monde de l'essence. Tout est emballé dans cette. Donc ça va ensemble. Le lot et le ken, et le Ben Adam Lamakom et le Ben Adam Lachavero. Alors c'est avec ça que je veux finir. Donc si je conclue tout ça, vous comprenez que ce que j'ai voulu enseigner aujourd'hui, et j'espère que cet enseignement nous permettra à tous de mieux recevoir la parole de Hakadosh Baruch Hu ces paroles qui sont les paroles du Brit, de l'alliance entre nous et lui, de mieux entendre combien Hakadosh Baruch Hu nous a, en fin de compte, nous a parlé une parole de son unité. C'est pas une parole unique, c'est la parole de Achat, c'est la parole de Hakadosh Baruch Hu, et que plus elle descend dans le monde, plus elle se subdivise, et que notre possibilité, c'est de pouvoir entendre dans toutes ces subdivisions que je vous ai montrées aujourd'hui, dans les 10 commandements eux-mêmes, à partir du Aleph lui-même, ensuite du Anochi, ensuite des deux premiers mots, ensuite du premier Passouk, ensuite des deux premiers, ensuite des deux Luchot Abrit, et il y en a deux de nouveau, la droite et la gauche, de pouvoir reconnaître, de pouvoir retrouver, je ne sais pas ce que tu veux, Johan, à mon avis, tu veux enlever le truc. C'est pas ça que tu voulais faire, mais Beseder, on va le faire. Ce que ça nous permet de reconnaître maintenant, c'est à partir de toutes ces subdivisions, de pouvoir retrouver par récurrence, à partir de là, l'unité et l'entité de Hakadosh Baruch Hu qui nous a donné cette parole, cette Torah extraordinaire infinie, et qu'il a décidé de la faire descendre sur le mont Sinaï, et depuis le mont Sinaï, que cette parole soit entendue par nous, par nos deux oreilles, dans ces deux dimensions, jusqu'à chacun de nous, et jusqu'au Klal Israël. Voilà, alors on va s'arrêter ici. Si jamais vous voulez poser des questions, comme d'habitude, Johan ouvre les micros, et vous êtes invité à poser des questions ou donner certaines remarques. Oui, Laurence ? Non ? Ok, Bessader, Azéo, plus personne ne parle. Je crois qu'il a oublié d'ouvrir, c'est ça? Johan? Ouh! J'ai un ordinateur qui ne marche pas. Donc, alors, tu peux ouvrir quand même. Ordinateur, mais je pense que j'ai réouvert une seconde. Non, tu n'as pas réouvert, tout est fermé. Alors, c'est mon ordinateur. Je gère depuis le téléphone. Alors, je vais voilà, si il va s'éteindre ton micro. Tu peux rallumer. Voilà, c'est ouvert. Voilà, merci. C'est bon. Merci beaucoup, Menachem. Je voudrais faire une remarque, si c'est possible. Bien sûr, Bessimcha Rabba. C'est une remarque sur la structure.